Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous propose un petit haul action. Je viens d'aller faire mon petit tour. Vous savez que c'est une chaîne de magasins où j'adore me balader. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait super plaisir. À mettre un petit commentaire, le pouce bleu également, c'est super important pour moi. Et puis, n'hésitez pas à partager également mes vidéos. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais vous indiquer les prix au fur et à mesure. J'ai ma petite note, j'en ai eu pour 27 euros et quelques. On va commencer tout de suite. J'ai trouvé ce petit photophore comme ceci. Je vous le montre. Vous voyez, il est super beau. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris, c'est surtout pour mettre mes orchidées, des petites, hein, dedans, avec un petit fond d'eau au fond. Voilà, donc moi j'ai trouvé super joli. Il y avait d'autres coloris et c'est juste la dimension idéale quoi. C'est pas trop grand donc ça va être parfait. Voilà donc pour ça. Et donc le photophore il est. Alors, le photophore il est à 2,95 €, photophore en relief. Voilà. Ensuite j'ai trouvé la petite bonbonne comme ceci, super mimi. Pour mettre sur une table ou pourquoi pas en décoration de table de Noël. Normalement, ça s'allume. Donc, vous voyez, le système est ici. Je pense qu'il doit... Alors, je ne sais pas si ça va. Il doit falloir, je pense, retirer la petite languette. Vous voyez, il y a une petite languette ici. Donc, je ne l'ai pas retirée. Vous voyez, il y a un petit peu de la fausse neige au fond. Ça, j'ai trouvé avec des petites fleurs séchées, petites branches. Voilà, j'ai trouvé ça hyper mimi, super joli. Et donc ça, la bouteille branche, c'est à 4,99 €. Voilà, vous voyez, il y avait plein de déco, hein, de toute façon, de Noël. Voilà, vraiment, franchement. Non, voilà, normalement, une fois allumé, ça donne ceci. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très joli. Voilà, donc j'ai dit 4,99 €. Ensuite... J'ai pris des éponges comme ceci. Ce sont des éponges très pratiques pour enlever quand vous avez des traces, par exemple, sur vos murs blancs. Vous avez une face blanche comme ici, vous mouillez un petit peu et vous passez sur votre mur et normalement, ça part tout seul. Donc là, c'est un lot de 4. C'est la marque Nichols, c'est les Magico. Voilà, donc ça, très pratique. Et est-ce que je vais trouver... Magico éponge, elles sont à 99 centimes, donc voilà, n'hésitez pas. Elles sont bien pratiques, ça remplace un peu celles que Monsieur Propre fait. Bon, elles sont peut-être un petit peu moins, elles vont durer peut-être un petit peu moins longtemps, mais bon, voilà, pour ce qu'on en a à faire, c'est largement suffisant. Ensuite, bah, toujours dans le même rayon, les fameux sacs poubelles violets qui sentent la lavande. Voilà, super pratique, comme je dis, c'est dommage qu'ils n'en fassent pas des plus grands. Moi, j'aurais bien aimé avoir les mêmes dans la cuisine, par exemple. Donc, ce sont... Il y en a 15. Et ils font 30 litres. Voilà. Et c'est de la marque Dumille. Et les... Non, c'est pas ça. Sac poubelle, ils sont à 1,69 €. Ensuite, toujours dans le même rayon, du désodorisant pour les toilettes. Alors, j'espère qu'il est complet. Oui, c'est bon. C'est le seul qui, j'en ai essayé plusieurs, et celui-ci marche bien. Donc là, j'en ai plus qu'un. J'en avais plus qu'un qui n'est pas utilisé, donc j'en ai pris un autre. Vous avez plein de senteurs, hein. Ça, c'est la senteur forêt. Et ceci marche bien, hein. Voilà, ceci marche bien. Ensuite, toujours dans les produits ménagers, j'ai pris de l'anticale, comme ceci. Voilà, l'anticale. Action vinaigre, nettoie et fait briller. Technologie anti-goutte. Alors, le pouvoir du vinaigre pour une brillance éclatante, même sur les surfaces chromées et en acier inoxydable. Voilà. Donc, de l'anticale. Alors, l'anticale, la bouteille. Non, c'est pas ça. Anticale, il est à 1,69 €. Ensuite, alors là, j'ai repris. Ce sont des recharges pour la cafetière filtrante,
Oui, la cafetière filtrante, on va dire comme ça. Donc, ils sont compatibles avec la Brita. Si vous avez une Brita chez vous, vous pouvez les utiliser. Ils sont par lot de deux. Il y a deux filtres. Moi, j'ai la carafe, voilà, la carafe, cherchez le nom. J'ai la carafe filtrante de chez Action, qui va très très bien, hein, elle marche très bien. Et donc là, j'en ai repris deux. C'est fait en Allemagne, voilà. Et donc la cafetière, normalement, elle est à 5 euros, voilà, 5,95 € les deux, mais ça dure quand même 3-4 semaines, hein. Voilà, 3-4 semaines, et moi je m'en sers surtout la carafe, c'est pour le café, pour la cafetière broyeur. Voilà, je m'en sers pour ça, pour ah mince, pour l'eau quoi, pour mettre dans l'eau. Voilà, donc ça. Ensuite, j'ai pris des nettoyants pour les lunettes, comme ceci. Alors moi j'ai toujours les lunettes, j'aime pas avoir les lunettes sales, j'aime bien bien voir. Donc là ça faisait un petit moment que j'en avais pas pris. Et ça c'est un nettoyant lunettes à 85 centimes pour ça. Ensuite j'ai pris, ben, comme d'habitude, j'ai pris mes petites lingettes de la marque Alvira Skincare bio normalement. Voilà, donc elles sont 100% biodégradables. Voilà, et il y en a 25, je vous les montre. J'en ai pris deux, je les aime beaucoup. Les lingettes, elles sont à 79 centimes, donc ça m'a fait 1,58 € les deux. Voilà pour ça. Ensuite, alors, je vous montre la nouveauté, c'est la Rose Water. Et ça, c'est un nettoyant. Bubble Face Cleaner, voilà. Donc c'est un nettoyant avec des petites bulles. Donc moi je l'ai pas vu avant. Je pense que bah, c'est une nouveauté. Ça doit, je suppose, sentir la rose. Je vais pas l'ouvrir, mais on doit pouvoir, si on peut tourner, ça doit sentir l'eau de rose, hein, comme le reste. Oui, tout à fait. Ça sent hyper bon. Ça sent la même chose. Donc j'ai voulu tester. Et c'est un flacon pompe de 200 ml. Alors, c'est un 200 ml, c'est à 1,79 €. Donc, voilà, je vous dirai ce que j'en pense, si ça démaquille bien, surtout. Ensuite, j'ai repris, donc ça, c'est pas une nouveauté, c'est que simplement, ils ont changé le flacon, hein. Donc, c'est le démaquillant pour les yeux, biphase, biface. Vous voyez, il y a une partie huileuse en haut, vous mélangez et... il marche, il fonctionne très très bien, ça enlève très très bien le mascara, les fards à paupières, il n'y a aucun souci. Et ensuite, le dernier produit que j'ai pris, c'est un gel douche qui fait également pour le bain et qui est à la pêche et ça doit être à la fraise. Voilà, pêche fraise, je vais vous dire. Ouais, ça sent hyper bon. Alors, c'est plus la pêche qui ressort, hein. Dans le produit, mais voilà, ça sent hyper bon. Il y avait d'autres senteurs, toujours pareil, hein, et donc ça, c'est un flacon de 500 ml. Le gel fraîche, non, c'est pas ça. Bubble gel bain, voilà, il est à 1,79 €. Voilà, ceci termine. Mes petits achats, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein plein de gros bisous. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. Voilà, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos. Ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!